au nom des partis politiques et de l'ensemble des plateformes représentées à notre sein, j'ai reçu mandat au cours de la réunion du 20 décembre de rencontrer les coalitions et leaders qui n'étaient pas représentés à cette réunion. À cet effet, nous avons rencontré les responsables du CORED, présidé par El Hadj Mamadou Sylla, le BOC, présidé par Dr Ibrahima Sori Diallo, le CPR, présidé par Dr Faya Milimono. C'est dans le souci de manifester et de consolider l'unité de la classe politique guinéenne. À cet effet, nous sommes convenus de conforter cet élan de rassemblement, premièrement, en restant tous ensemble, mobilisés pour la même cause. Deuxièmement, à nous réunir prochainement au siège de l'UFDG avec l'ensemble des composantes des partis politiques guinéens et définir les grandes lignes de ce qui va être la conduite ou les propositions de la classe politique guinéenne pour l'accompagnement de la transition. Nous tenons à remercier El Hadj Mamadou Sylla et sa plateforme pour l'accueil qui nous a été réservé et nous souhaitons bonne suite à l'ensemble des partis politiques pour rassurer les Guinéennes et Guinéennes de notre volonté d'accompagner la transition dans la paix et la quiétude sociale. Je vous remercie. Monsieur le porte-parole, j'ai une question. Et la réunion, on avait appris qu'il y avait en discussion un mémorandum que vous devriez adresser au CNRD. Qu'en est-il à cet effet? Nous avons effectivement travaillé sur un mémorandum qui a été proposé aujourd'hui à l'ensemble des composantes et signé par l'ensemble des partis politiques représentés au sein de cette plateforme. Le mémorandum n'a pas été paraffé encore. Le mémorandum a été signé, il sera certainement publié dans les heures qui viennent. Et quelle a été la réaction de la classe politique guinéenne par rapport à la feuille de route présentée par le Premier ministre de la transition? Ce n'est pas l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Nous nous félicitons d'avoir retrouvé l'unité de la classe politique et nous allons nous retrouver le jeudi 30 décembre au siège de l'UFDG pour la suite de nos démarches. Je vous remercie.